finalement, j'ai décidé de prendre mon gun au cas où, mais écoutez, là, il y a du sang, il y a une mort de sang. Là, à distance, on est à peu près à 50 pieds. C'est une nouvelle bête qu'on avait partie l'année passée, au mois de cette date-là, le 19 juin. Puis ça a roulé à fond, tu vas regarder. Regardez, reste là, Brian. Regardez, là, l'ours, et la, l'ours, ben, il l'ours, est là. Ben, regardez par rapport à la tente. La tente est là. On est là, là. C'était en direct. C'était puis, il y a un méchant beau poêle. Ouais. Et qu'on descend tranquillement, mais c'est sûr. Regardez ça, le sang. On dit, aucune chance. J'ai tiré ça dans la caboche. J'aurais jamais essayé de sugar Chris. Hey, non, il est beau, esti. Ah, on va le voir, mes côtés. Oh, c'est une femelle. Bon, ben, vous avez vu la petite vidéo avant comment on a sorti mon ours. Très facile, on savait que ça existait depuis longtemps, mais cette année, l'année passée, j'ai décidé d'acheter un traîneau pélican. J'ai dit, il y a des bêtes ici qu'on avait de la misère, à trop longtemps à traîner à terre, puis tout, ou à deux, ça se traîne mal un animal quand il est mort. Puis l'ours à mon chum Daniel, la semaine passée, 195 livres, on a sorti ça comme ça, là, facilement. Puis même pour l'embarquer dans le camion, là, c'est easy, regardez ça. On se pointe chacun notre bord, on a un bord pareil en plus. Ouais. L'animal reste tout le temps bien droit, il n'est pas mou. Puis son ours de 195 la semaine passée, on n'a vraiment pas eu de difficulté à l'embarquer. Petit conseil comme ça, j'ai payé ça 60$, 60-65$. Je ne dirais pas où, mais 60-65$. Donc on va aller vider ça, puis écoute, hein? Sugar Crips! On est content. Puis je pense que ça va prendre une bière. Peut-être deux. Peut-être trois. Peut-être quatre. Et voilà. Allez tout le monde.